Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Kero, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je suis en pleine forme aujourd'hui car je vous retrouve pour la cinquième manche du championnat F1 2018 Xbox One by GSC, donc organisé par la Guillaume Sangwan Compétition. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au Grand Prix d'Espagne, j'ai envie de dire de nouveau au Grand Prix d'Espagne, parce que oui, pour ceux qui suivraient l'autre championnat de l'AWER F1 League, la saison 16, on avait fait aussi dimanche soir le Grand Prix d'Espagne, donc je vous ai retransmis ce Grand Prix lundi, donc hier, et aujourd'hui, je vous montre ce que ça a donné ce Grand Prix d'Espagne dans ce championnat de la GSC, donc qui s'est passé hier soir, et donc qui a été transmis sur la chaîne Twitch de Evolved Bebe. Donc tous les liens sont comme à chaque fois dans la description, donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les courses qui se passent tous les lundis soir, voilà, je le répète, et donc qui sont rediffusés également sur la chaîne YouTube de Azertibeu, donc la chaîne de Azertium et Bebe qui s'appelle Azertibeu, voilà, donc c'est assez spécial comme nom, mais bon, je vous en veux pas, je vous aime, hein, Azertium et Bebe, je sais qu'ils regardent mes vidéos, mais bon, voilà, c'est une petite blague, un petit troll, voilà, il faut bien se charrier de temps en temps, parce que eux, ils me vannent pas mal, donc voilà, j'en profite aussi également pour un petit peu les vanner, et oui, bref, les amis, cette cinquième manche en Espagne qui va être assez compliqué, voilà, j'avais déjà dit hier à l'AWER, donc au niveau de la stratégie des pneus, au niveau de l'usure des gommes, donc à voir si pleut ou non, mais sur le sec, ouais, ça va être compliqué au niveau de la stratégie un arrêt, ça risque d'être compliqué, ça risque plus de s'orienter vers une stratégie à deux arrêts, donc à voir ce qui va se passer en course, bien sûr, mais voilà. Et donc il y a une semaine, c'était le Grand Prix d'Azerbaïdjan, donc voilà les Grands Prix entre l'AWER et ce championnat de la GSC qui se suivent un petit peu. Écoutez, la victoire les amis, et oui, sur ce circuit de Bakou en Azerbaïdjan, j'avais eu la victoire, donc la pole et la victoire, donc ouais, ça fait vraiment plaisir de remporter une victoire dans ce championnat, pardon. J'en ai profité de l'abandon de Stris, voilà, qui s'est mangé le mur au niveau du château. Je sais pas ce qui s'est passé, il faudrait peut-être lui voir avec lui, enfin je n'ai pas reparlé avec lui depuis, mais ouais, je sais pas trop, peut-être manque de concentration, peut-être, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, voilà, j'en ai profité pour arracher cette victoire, et j'ai envie de dire, j'ai eu un petit peu de la chance, parce que voilà, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé au niveau de mon au stand, j'avais tapé tous les murs et j'ai réussi à pas cracher ma voiture, voilà, j'ai juste eu l'aileron bien endommagé, mais voilà, j'ai réussi à pas cracher ma voiture, surtout que les dégâts depuis ce Grand Prix d'Azerbaïdjan sont en dégâts simu, voilà, alors qu'avant c'était en dégâts complets, mais voilà, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, et du coup je remporte cette victoire, donc méritée ou non, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir. Et avant de commencer ce Grand Prix d'Espagne, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des classements pilotes et constructeurs. Déjà le classement pilote, où vous le voyez, et oui, j'ai pris la tête devant Stris pour un petit point. Et oui, surtout que Stris a marqué un point, donc vu qu'il a fait plus de 75% de la course, donc les organisateurs ont voulu quand même lui accorder le point, donc la moitié des points. Vu qu'il a terminé 9e en abandonnant, donc la moitié de 2, ça fait un point, donc voilà, il gagne quand même un point, et donc je suis en tête avec 70 points, donc deuxième Stris avec 69, troisième Skunk Vtek, donc qui avait récupéré son gamertag la dernière fois, donc avec 65 points, donc nous les trois premiers, vous voyez que c'est très serré, on se tient en 5 points, donc pour l'instant championnat pilote très très serré, même si voilà, je sais que Stris va vite rebondir, donc voilà, je pense que je vais pas garder la tête bien longtemps, à voir. Quatrième, Kaiser qui est Smoke, voilà, qui a changé de gamertag, du coup j'ai mis son nouveau gamertag, qui est quatrième avec 36 points, et ensuite voilà, vous avez le reste. T2G Iceman, le collègue sur la Renault, qui est cinquième, qui a 25 points, donc lui il avait abandonné malheureusement au Grand Prix d'Azerbaïdjan, voilà, vraiment dommage à lui. Ensuite voilà, vous avez le reste du classement. Et mon coéquipier également, Tornado, qui avait abandonné, voilà, qui se retrouve 7e, qui a perdu une position. Donc il y a 15, les 15 points qu'il avait gagnés en Chine. Donc ouais, malheureusement il a abandonné parce qu'on aurait pu, je pense, rapporter beaucoup de points. Donc c'est vraiment dommage, surtout au niveau constructeur. Et donc, en parlant du classement constructeur, vous allez voir ce que ça a donné, pardon. En tête, Renault avec 94 points, suivi de Red Bull 88 points, et ensuite troisième Ferrari, donc nous 85 points. Vous voyez que là également les trois premiers c'est très très serré, ça se tient en 9 points. Donc ouais, c'est vraiment dommage parce que si on avait pu rapporter des points avec Tornado en plus, ça se trouve on aurait pu garder l'avantage par rapport à Red Bull. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Va falloir faire des.
faire un bon championnat par la suite pour essayer de récupérer cette deuxième place, voire pourquoi pas aller chercher la première, même si ça risque d'être compliqué avec Stries, avec Iceman, qui sont deux très bons pilotes. Donc quatrième, Mercedes avec 49 points. Cinquième, Force India qui fait un gros bond là, de deux places, qui se retrouve cinquième donc avec 33 points. Sixième, McLaren également qui fait un bond de deux places. Bien joué à Picsou et à Biggie. Donc qui se retrouve 6ème avec 17 points. Et ensuite vous voyez que c'est serré, hein, Haas 7ème 14 points, Sauber 8ème 12 points, Williams qui rapporte de gros points. Bien joué aux deux pilotes Williams, parce que voilà, les Williams, la Williams c'est la voiture la moins performante de ce jeu, et du coup rapporter des points, bah, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, il se retrouve directement 9ème avec 10 points. Et ensuite Toro Rosso qui a un début de championnat compliqué pour le moment. Donc voilà, qui se retrouve dernière dixième avec un seul petit point. Voilà. Bah écoutez les amis, on est parti déjà avec les qualifications. Mon meilleur tour de ce Grand Prix d'Espagne à la GSC. Et ensuite, vous aurez la course, mes meilleurs moments durant cette course. Et ensuite, le débriefing après la course. Genre, je veux dire, pour l'instant, j'ai quand même un début de championnat assez propre, même si j'ai commis quelques erreurs. Et aussi, on m'est rentré dedans et tout. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, pour l'instant, c'est un début de championnat assez correct. Et donc, il va bien falloir un moment où voilà, je vais peut-être pas marquer de points du tout, je vais abandonner. Et ça se trouve, ça va se passer durant ce Grand Prix d'Espagne. En tout cas, on n'y est pas encore. Je vous laisse découvrir ça, les amis. Et je vous retrouve après la course pour faire le débriefing. C'est parti.
départ avec votre coéquipier est de 21,6 secondes. Avec notre coéquipier est de 13,3 secondes.
Eh ben, décidément, les amis, ce début de championnat qui est pour l'instant un début de championnat de rêve. Voilà, quatrième podium en cinq courses et je termine ce Grand Prix d'Espagne à la deuxième place. Donc, très très bon résultat. Surtout que, voilà, ce circuit, c'est un circuit assez complexe au niveau des gommes, voilà, de la surchauffe, au niveau de l'usure aussi. Donc, c'était assez compliqué de faire un seul arrêt, mais j'y suis arrivé. Donc, je suis plutôt content, voilà, de ma stratégie à un seul arrêt. Ce qui me permet de terminer deuxième, donc, derrière Skunk Vetek, voilà, qui remporte ce Grand Prix. Et troisième, à la troisième place, Kaiser, donc Smoke, hein, voilà, qui a changé le gamer tag, je vous ai dit. Donc troisième place, et du coup, ben, ça a été une course plutôt, enfin, pas tranquille, parce que voilà, Kaiser, il m'aura mis pas mal la pression durant tout le Grand Prix. Donc je sais pas quel moment de la course je vous aurais mis au montage et tout, mais voilà, il se sera pas passé grand chose. Mais ouais, c'était plus une course sur la défensive, donc il se sera pas passé grand chose. J'aurais pas trop commis d'erreur, voilà, ce qui me permet de pas avoir de pénalité, alors que Kaiser a une pénalité de 3 secondes et Skunk Vetek aussi. Mais voilà, ça m'a pas permis de remporter cette course, parce que voilà, Skunk Vetek, il était vraiment au-dessus cette course. Il m'a mis une bonne avance, donc enfin une bonne avance, je crois il avait 7 ou 8 secondes d'avance, et au final il s'est retrouvé avec 3 secondes. Donc ouais, ça doit être à peu près ça. Mais ouais, plutôt content de cette course. Voilà, deuxième et quatrième podium en cinq courses. C'est vraiment un début de championnat pour l'instant qui se passe vraiment, vraiment très bien. Je sais que ça ne durera pas, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est vraiment, vraiment incroyable, et je suis content pour l'instant dans ce championnat. Voilà, et c'est vraiment, vraiment quelque chose, bah, d'incroyable, tout simplement. Par rapport à, bah, d'ailleurs, je vais emboîter le pas par rapport au championnat de l'AWER, pour ceux qui suivent, voilà, sur ma chaîne les courses. Par rapport à l'AWER, voilà, où c'est vraiment catastrophique sur ce championnat, il m'arrive que des merdes et tout. Et donc, pour ceux qui auraient vu la vidéo hier, je vous avais dit, ouais, rendez-vous dans une semaine pour Monaco, enfin, si je décide de pas arrêter le championnat, parce que voilà, je sais pas trop encore si je dois arrêter, si je dois continuer. Pour l'instant, j'hésite pas mal, mais voilà, rassurez-vous si ben, la prochaine fois, voilà, parce qu'il doit y avoir le Grand Prix de Monaco. Rassurez-vous, s'il n'y est pas, c'est tout simplement parce que je pourrais pas faire le Grand Prix. Voilà, je serai chez des amis, donc voilà, je suis invité chez des amis, ce qui fait que ben, dimanche soir, je pourrais pas faire le Grand Prix de Monaco, et du coup, lundi, vous n'aurez pas de vidéo. Donc voilà, rassurez-vous, c'est pas parce que j'ai décidé d'arrêter le championnat, c'est parce que tout simplement, je pourrais pas faire ce Grand Prix de Monaco. Bon, ça fait un petit peu chier, parce que bon, Monaco, c'est un grand prix, pardon, que j'adore. Mais bon, je me rattraperai avec celui de la GSC, qui normalement je devrais pouvoir faire la course. Donc dans une semaine, les amis, rendez-vous pour le Grand Prix de Monaco. Et là, à mon avis, c'est plus compliqué, voilà, d'aller chercher le podium. Il va falloir faire une course sans erreur et essayer d'assurer, ben, un bon résultat. Ça risque d'être compliqué, mais je vais faire comme à chaque fois, ben, mon possible pour pas faire de bêtises. Mais bon, voilà, au moment de la course, on peut jamais prévoir ce qui peut se passer, hein, donc voilà. Ben, sinon, écoutez, pas grand-chose à dire d'autre sur ce Grand Prix. Donc je vous dis donc, pardon, rendez-vous dans une semaine pour le Grand Prix de Monaco. Soyez au rendez-vous. Et d'ici là, ben, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette vidéo si ça vous a plu, à laisser vos petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, et à vous inscrire sur tous les liens qu'il y a dans la description, donc que ce soit au niveau de la chaîne Twitch de Azertium et Bebe, que ce soit de la chaîne YouTube, enfin voilà, vous avez tous les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à aller vous abonner sur tous ces liens, ça me ferait plaisir. Et donc, et ben, on se dit à très vite, les amis, portez-vous bien, c'était Kero, et à la prochaine, ciao!